Imaginez un monde où chaque objet, chaque personne, chaque système est connecté. Un monde où les frontières entre le numérique et le physique s'estompent. Non, il ne s'agit pas du futur. Bienvenue dans l'ère moderne. Si je vous dis transformation numérique, vous pensez certainement à nos développeurs de génie ou à l'omniprésence des réseaux sociaux. Mais ça va bien au-delà de ça. Elle a déjà transformé notre façon de vivre, de communiquer, de jouer, et ce n'est que le début. Le numérique est devenu notre langage commun, notre outil universel, notre moteur de croissance. Mais que se cache-t-il derrière cela ? Où cela va-t-il nous mener? Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une révolution la plus silencieuse, mais aussi la plus puissante de notre ère. Une histoire de progrès, d'innovation et de disruption. L'histoire de la transformation numérique. Charles Darwin a dit un jour, « Les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes, ce sont celles qui s'adaptent le mieux au changement. » Et cela résonne particulièrement dans le monde professionnel aujourd'hui. La transformation numérique s'est établie autour de quatre axes. Premièrement, améliorer l'efficacité opérationnelle. Comment ? En optimisant les processus, réduisant les coûts, en augmentant la productivité et la qualité des produits et des services. Deux, c'est améliorer l'expérience client, en créant un parcours client qui soit fluide, adapté et qui répond aux besoins précis du client. Trois, c'est l'accès à de nouveaux marchés. C'est permettre aux entreprises d'étendre leur zone de chalandise et commercialiser leurs produits ou leurs services à de nouvelles zones, à de nouveaux clients, de nouveaux pays ou bien via de nouveaux canaux de distribution. 4. C'est favoriser l'innovation continue en encourageant la recherche et le développement de nouvelles idées, technologies ou solutions qui permettent d'améliorer les produits, les services et les processus. Ces piliers sont les fondements de toute stratégie de transformation numérique. Et quoi de mieux pour comprendre que prendre l'exemple de deux géants? Kodak, qui a trébuché dans l'ère du numérique, et Netflix, qui lui a embrassé le changement et a prospéré. On se rappelle tous des appareils photo jetables. Ils ont pullulé dans les années 2000. Propulsés par Kodak, ces petits appareils avaient pour avantage de prendre des photos sans se soucier de chargeurs, de batterie ou de carte mémoire. Mais aujourd'hui, ils sont un vaste souvenir avec l'avènement des smartphones, qui ont des appareils photo de plus en plus performants, et des appareils photo numériques. C'est pourquoi Kodak a complètement disparu des radars. Au contraire de Netflix, né en 1997, le géant américain a décidé de transformer son modèle de livraison de DVD entre particuliers pour devenir le leader du streaming mondial. En effet, aujourd'hui, Netflix, c'est plus de 200 millions d'abonnés et une plateforme en ligne qui est la référence numéro 1 pour tout le monde. C'est la success story de la transformation numérique. Il a adopté tous les codes pour transformer son modèle, acquérir un nouveau marché et donc connaître le succès. D'ici 2025, 90% des apps entreprises intégreront des technologies IA. Une étude a montré que les entreprises qui privilégient le numérique ont 64% de chances en plus d'atteindre ces objectifs commerciaux. Une autre prouve que toutes les entreprises qui privilégient l'expérience client ont des meilleurs résultats, 20 à 30% sur la satisfaction client et de 20 à 50% sur des gains commerciaux. Enfin, 84% des cadres interrogés estiment avoir de nouvelles opportunités commerciales dès lors que leur entreprise favorise le numérique. Alors dans quel camp vous préférez être ? Celui de Kodak ou celui de Netflix ? C'est une décision que toute entreprise doit prendre, la vôtre aussi. Et pour vous accompagner dans la réflexion autour de cette transformation numérique, nous avons identifié 8 champs d'action autour des sujets de la transformation numérique. La communication digitale est devenue un enjeu majeur. Elle permet d'avoir un public plus large et entretenir des liens plus étroits avec ses clients. Mais cette communication doit être sécurisée et respectueuse des données personnelles. C'est pourquoi il convient de respecter les règles de cybersécurité et se conformer aux normes de la RGPD. En parallèle, on doit adopter une démarche de numérique responsable en réduisant son impact carbone et en favorisant l'utilisation de technologies vertes. Le e-commerce, quant à lui, est un domaine qui permet d'avoir un parcours d'achat plus fluide, personnalisé et responsable. Pour réussir dans ce nouvel environnement, il est important d'avoir des processus clairs auprès des équipes. La gestion des données et le cloud sont aussi des enjeux clés car ils permettent d'avoir une quantité de données importante afin d'en tirer des insights précieux pour améliorer les services et les produits. La relation client est au cœur de cette transformation numérique car elle permet d'avoir une expérience client mémorable et unique, ce qui permet de fidéliser les clients sur le long terme. Enfin, l'IA a un impact significatif dans les entreprises car ça permet d'automatiser et d'optimiser les processus au sein des entreprises à tous les niveaux. Vous l'avez compris, toutes les entreprises sont concernées par cette transformation numérique, mais comment pouvoir garantir un succès dans ce nouveau monde du numérique aujourd'hui? On pense souvent à l'innovation technologique ou à la stratégie commerciale. Et pourtant, un point crucial est négligé, l'accompagnement au changement de vos équipes. Il est justifié de se demander comment garantir que les compétences et les connaissances de vos équipes permettent de rester compétitifs. Le recrutement ou la formation sont des leviers stratégiques primordiaux. Mais alors, comment financer cette formation et comment gérer toutes ces démarches? C'est là que la mêlée intervient.
Saviez-vous que la formation de vos salariés peut être prise en charge par Loqco, rendant ainsi le processus plus abordable et accessible pour votre entreprise? De plus, la Mélie vous accompagne dans toutes les démarches, en partant de la planification des formations à la préqualification au recrutement des nouveaux talents, simplifiant ainsi les changements pour votre entreprise. Avec les bonnes compétences, votre entreprise peut prospérer dans cet environnement en constante évolution. Vous l'avez compris, la transformation numérique est un phénomène inévitable. Cela a changé notre façon de vivre, notre quotidien, mais aussi notre façon de travailler. Elle a commencé par l'avènement de l'informatique et d'Internet, puis il y a eu l'émergence des réseaux sociaux, et aujourd'hui c'est accéléré avec l'intelligence artificielle. La transformation numérique offre de nouvelles opportunités, mais aussi de nombreux défis. Les entreprises qui réussissent sont celles qui tirent le meilleur parti des nouvelles technologies pour améliorer leur efficacité opérationnelle, s'ouvrir à de nouveaux marchés et optimiser leur expérience client. Vous vous sentez prêt à vous adapter, à innover, à faire grandir votre société, mais vous avez peur du temps et de la charge de travail que cela va représenter? Vous n'êtes pas seul, la Mêlée est là pour vous accompagner dans toutes ces démarches. N'attendez plus, la première étape c'est de remplir notre prédiagnostic. Cela va nous permettre de mieux comprendre vos besoins et vos problématiques afin de vous proposer une solution personnalisée. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur tous ces sujets de transformation numérique. Nous espérons que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre l'importance de la transformation numérique et les clés pour réussir. Il ne vous reste plus qu'à vous abonner, à activer la cloche pour avoir les notifications et laisser un like. Si vous avez des questions, des témoignages, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, nous serons ravis d'échanger avec vous. Partagez cette vidéo à tous ceux qui le veulent et à très bientôt. Ciao, ciao !